Bonjour Monet. Comment vous allez? Bien? Je sais pas, je vous entends pas. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec Greux, donc en plein soleil. Vous voyez, le ciel bleu, c'est magnifique sur la région. Et on est dans la nature, entre les dunes, mer, etc. Un terrain qu'on aime beaucoup. Et aujourd'hui, la star, c'est pas nous. C'est lui. Parce que ce petit chien a ici, comme vous voyez, une petite plaquette. Voilà, avec un numéro derrière. Et cette plaquette, en fait, c'est un dog tag. Alors le dog tag, c'est un peu comme un TB ou un geocoin. Ça permet à votre chien de devenir un geodog. Donc on va vous montrer le principe, mais grosso modo, ça vous baladez votre chien, classiquement, et vous faites de cache en cache, et vous faites voyager ce, on va dire, ce TB, cette dog tag, de cache en cache. Donc en fait, quand vous arrivez à la cache, vous faites loguer. Et au lieu de faire déposer, parce que ce serait bête de déposer le chien, vous ne faites pas déposer, vous ne faites pas écrire une note, mais vous faites transiter. Et du coup, quand vous allez sur la carte de votre petit dog tag, comme un TB, vous voyez tous les trajets que votre chien a fait, etc., depuis le début de cette plaquette. Voilà, voilà, c'est assez simple, mais ça permet de faire des balades, etc. Petite info seulement, si jamais vous croisez Geodog ou un autre Geodog en balade, sachez que vous ne pourrez pas repartir avec. Voilà. Désolé. Vous pouvez juste loguer la petite plaquette. Voilà. Tu cherches la cache? Il veut juste aller courir. Link, t'as trouvé la cache? Non, là c'est balade avant geocaching. Donc la cache. Voilà. Ouais. Donc quand vous trouvez votre cache avec votre animal favori, vous loguez. Donc classiquement, j'ai trouvé nanana, et vous faites transiter votre TB Geodog. Voilà, comme ça, bah, ça lui fait une petite cache au compteur. Corgi, il en a combien de trouvé de cache? Une bonne dizaine, facile. Ah bah non, 30, on en a fait 30 la dernière fois, donc oui, il doit avoir peut-être 60 caches. Ouais, 50-60 caches. Voilà, voilà. Donc on va en faire une ou deux autres, et puis voilà, on aura fait sa petite balade. Alors il y aura peut-être un peu de vent malgré le nouveau micro là, qu'on a, mais il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Alors ce caillou me semble suspect. Link, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il y a un cadeau? Ah ah, un bouchon sous un caillou. Et voilà. Bon bah on va loguer ça, tout simplement. Et bien voilà, petite balade terminée, donc en fait on a fait deux caches. En fait elles sont assez éloignées l'une de l'autre, donc on a bien marché quand même. On a bien marché, petit corgi. Il en a plein les patounes, on a croisé un autre corgi, c'est assez rare en fait au cours des balades, donc ouais. Photos, tout ça, câlins, les chouilles. Et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura fait découvrir peut-être un autre aspect du geocaching qui vous permet de balader vos animaux. Vous pouvez faire des balades avec des chats, des lapins, tout ce que vous voulez, des furets. Vous pouvez transformer tous les animaux possibles en géo-animal. Ouais. Voilà. Pour ça, il vous suffit d'acheter des petites plaquettes dédiées. Donc, je vous en mets tout un tas dans la description. Et puis après, de prendre plaisir à balader avec vos animaux. Voilà, voilà. Profiter du soleil. Aussi. Géo-amitié les amis. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je l'ai trouvé. Il est là. Le vrai travel bug.